je voulais vous présenter aujourd'hui en collaboration avec Colorantique les différents pinceaux qu'ils offrent en ligne ou chez les détaillants. Donc, je vais commencer avec les pinceaux ronds. Dans le fond, les pinceaux qu'on utilise le plus souvent pour l'application de la peinture à la craie. Donc, on a le 35 mm. On a le numéro 10. Et le 55 mm. Donc, je vous dirais de commencer peut-être plus avec les plus petits. C'est plus facile pour l'application et on peut faire différents projets là, avec cette grosseur-là, donc le numéro 10 et le 35 mm. Sinon, le 55 mm aussi fonctionne très bien pour des plus grandes surfaces ou des plus gros projets. Donc, ça, c'est pour ça. Les pinceaux en angle, donc on a le 1 pouce et demi. On a le 2 pouces. Et le pinceau blanche-neige ici. Donc, ça, je vous dirais que c'est plus pour les projets de finition comme vernis, glacis, ou on peut aussi les s'en servir pour faire des faux finis. Donc, ça ici. Par la suite, ici, désolée, je les ai utilisés un petit peu beaucoup, c'est mes pinceaux personnels. Donc, le pinceau pour la cire, donc le petit, et pinceau pour la cire, le grand. Donc, ça, c'est une fois qu'on vient pour protéger notre meuble, on vient appliquer la cire avec un pinceau. On a aussi les kits de démarrage avec les rouleaux et le manche. Donc, une fois que vous avez acheté ça, par la suite, vous n'avez qu'à le laver et racheter les rouleaux mousse en paquet de 2. Donc, c'est ce qui complète la gamme des pinceaux chez Colorantique. Si vous avez des questions, il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre dans les heures de bureau du lundi au vendredi. Sinon, vous pouvez toujours laisser un courriel à info@colorantique.com et il y a quelqu'un qui va vous répondre rapidement pour répondre à vos questions. Sinon, aussi, si vous voulez commander en ligne, j'ai un code promo qui est Bénédicte, tout simplement, B-E-N-E-D-I-C-T-E. Puis ça vous donne 10%. Donc, sur ça, bien, je vous souhaite une bonne journée. Bye!